Bonjour. Deux ordres monastiques outre Cluny ont particulièrement marqué le diocèse de Gap. Ce sont les Chalaisiens et les Chartreux. Commençons par les Chalaisiens. L'abbaye de Chalais fut fondée en 1100 au nord de Grenoble et adopta très vite la règle bénédictine, qui était très proche de Cîteaux. Les tâches dans le monastère étaient confiées, réparties entre des convers et des moines, et les Chalaisiens choisissaient des sites isolés et installaient des architectures souvent austères. L'ordre de Chalais finit par créer un ordre de 10 monastères, dont celui de Boscoton. En 1130, Guillaume, seigneur de Montmirail, près des Crocs, fit don à Boscoton de forêts pour aider à l'installation de moines. L'environnement était dur, il fallut d'abord défricher, mais la fondation parvint à survivre et s'affilia en 1142 aux Chalaisiens. Ce fut le début du succès. Les donations pieuses se multiplièrent, sous forme de terres, de pâturages aux crocs, de vignes à remolons. La prospérité matérielle fut assurée. Le monastère put acquérir la montagne de Morgon et tous ses pâturages. L'abbé Guigues de Revel en profita pour faire une multitude de fondations de prieurés dans l'Embrunais. Il nommait les prières lui-même, dont celui de Clercombe, dont on conserve le sceau de 1224, où le prieur est représenté en tunique et chasuble avec sa crosse abbatiale. L'économie de Boscoton se fondait sur de vastes troupeaux de moutons. Les moines obtinrent du comte de Fort-Calquier le droit de pacage et de commercer leur mélèze sur toute la Durance. Ils développèrent ainsi leur richesse par l'exploitation forestière et par les pâturages loués pour les troupeaux provençaux l'été. Boscoton était un domaine halletier libre, puissant, où la liturgie était particulièrement soignée. On conserve d'ailleurs un superbe missel du XIIe siècle en usage à Boscoton, et dont certaines spécificités liturgiques sont influencées par la tradition monastique d'Oucles et du nord de l'Italie, ce qui prouve les relations de voisinage fréquentes à travers les Alpes. On voit ici à gauche une crucifixion présentant Marie et Saint Jean sous une lune et un soleil. Et à droite, il s'agit du début de la préface de la messe. Voyons maintenant les Chartreux. L'ordre des Chartreux fut fondé par Saint Bruno. C'est un ordre qui recherchait la prière et l'austérité dans les déserts de solitude des montagnes pour vivre une vie de presque ermite. Or, la région du Haut-Dauphiné correspondait bien à ces exigences monastiques. Les Chartreux firent de nombreuses fondations jusqu'au XIIe siècle, puis le nombre se ralentit. À Durbon, Durbon fut la quatrième maison fondée par les Chartreux, fondée par un Lazare, un disciple de Saint Bruno, en 1116, près d'un torrent au centre de vastes forêts. Mais le site n'était pas très éloigné du chemin de Grenoble. C'était un monastère d'hommes qui profita de forêts, exploita aussi des mines de fer et de cuivre, et il devint un site énorme à l'époque moderne, avant d'être entièrement détruit par la Révolution. Les archives départementales conservent l'essentiel des actes de vente et de donation en faveur du monastère. Ainsi, cette vente d'un prêt pour 17 sous, faite en 1135 par le seigneur de Villars. En 1188, Arnaud Flotte et sa femme, seigneur de la Roche des Arnauds, vendent pour 1800 sous et pour le salut de leur âme, le territoire de Berthaud, qui était une terre déserte, mal accessible, pour y installer des religieuses chartreuses. Ces femmes viennent du monastère de Saint-André de Prébaillon, dans le diocèse de Vaison. Elles appartenaient aux chartreux, mais les premiers bâtiments en dur datent de 1200 à peu près, sans doute parce que la décision d'installation n'était pas encore certaine, même après la donation. Les religieuses commencèrent alors à recevoir des legs privés, des dons pieux. En 1203, le pape Innocent III les exempta de dîmes et les prit sous sa protection. Elles construisirent des bâtiments conventuels. Leur réputation de sainteté se diffusa rapidement dans toute la région. Le prince Rimbaud d'Orange visita le monastère en février 1214 et dit « Nous avons entendu et vu dans ce monastère de Sainte Vierge vivant la vie monastique sous une dure et âpre règle. Jour et nuit, des heures entières, elle chante glorieusement les louanges de Dieu avec de claires et hautes voix. » Mais en raison de leur pauvreté, Rimbaud leur concéda une seigneurie à Ventavon. Dans la première moitié du XIIIe siècle, elles obtiennent des pâturages, des granges, des vignes et des terres, notamment dans le dévolu. Nous verrons la prochaine fois comment ce monde monastique a évolué à la fin du Moyen-Âge. À bientôt.